Hey yo tout le monde, c'est Léonard, on est parti sur le troisième épisode de The Wind Waker. On est parti sur une petite visite guidée de Mercantile. Ok, donc on commence. Excuse-moi, petite gamine. T'es mignonne, tu sais. J'aimerais, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois qu'on est occupé? Il ne commence pas à nous faire des compliments, d'accord? Pas la peine de nous dire qu'on est vraiment trop mignonne et tout. Je me suis fait casser. Petite fille utilise Guédrect. Lunard, hein, se prend un gros coup dans la face. Lunard pleure. RTC, c'est triste. Ok. Monsieur Esquimau. Quittez mon pays glacial où souffle sans cesse le blizzard et puis la mer maudite pour un gros mercantile. J'ai alors été pris par la tempête. Mon bateau a été entièrement détruit. Je me suis retrouvé sur cette île avec un naufragé. Le pauvre a été arrêté et jeté en prison. Je me précise qu'il était un billet du brisamment. Sa cellule doit se trouver quelque part sur l'île. Je suis très inquiet pour lui. Bon, c'est vous que vous pourriez lui venir en aide. I don't think so you should go fuck yourself and send me what I want right now. I don't want to save Tingle, so but ok. J'en veux pas de ce gueule de merde. Yes! Thank you very much. Voilà un petit cadeau qui vient du cœur. Tingle, tingle, cling, ping. Voilà pour toi un objet. Vous obtenez bouteille Tingle. Vous pouvez désormais y placer des messages et les envoyer aux autres fichiers via Miserve. Je m'en suis jamais servi de ça. Tu connais Miver, celui-là? Grâce à lui, il a cette formidable invention. Tu peux envoyer les messages que tu glisses dans cette bouteille aux lutins du monde entier. Aux délicieuses visions, la communion des âmes. Tous vos petits cœurs débutants battent à l'unisson. N'écris pas de méchanceté, surtout. En fait, je vais retourner sur mon île. Rejoins-moi plus tard, d'accord? Ah, j'ai oublié quelque chose d'important. Lutin, tu veux visiter mon île, hein? Pas vrai, pas vrai? Vous obtenez la carte Tingle! Mais qu'est-ce que cette carte? Consultez-la depuis l'écran carte. Ouvre-la à partir de l'écran carte quand tu seras en mer. Si tu as des problèmes avec les cartes, compte sur moi pour te donner un coup de main. Surtout, n'oublie pas! Et si tu vas en... Bon. J'en ai marre de Tingle. Ok. Ok, donc. Recevoir les messages de... Ok. Ah oui, J'ai bugué en fait, il y a un écran totalement à part pour le truc. Excusez-moi, je croyais que le jeu était bloqué du moment qu'on n'avait pas fait les réglages et tout. Ok, ça me... Ce truc de... Bon, c'est pas grave. Ah, ok. Donc, petit labyrinthe. Je suis très fort au labyrinthe. Il y a une solution qui marche tout le temps, c'est de tout le temps prendre à droite. Si vous me croyez pas, bah vous êtes nul. On a dit à droite. Tout le temps de prendre à droite. Mais on a dit à droite. On a dit de prendre à droite. Donc là, on prend le plus à droite possible. Là,
aussi on prend le plus à droite possible. Là aussi on prend le plus à droite possible. Là aussi on prend le plus à droite possible. Je suis pas en train. Je crois que je suis en train de tourner en rond. Merde. Bon. En fait, la technique a marché, sauf elle marche, sauf qu'au début j'ai dû me planter quelque part. Ou alors non, non bah c'est pas possible. J'ai dû clairement me planter quelque part. Bon bah je vais prendre le chemin le plus à gauche. Ça va marcher. Normalement. Normalement ça marche. Bon. le tingle, normalement d'habitude en... pas d'habitude sur GameCube, il donnait un objet pour communiquer avec la Game Boy Advance qui se mettait avec un jeu en particulier. Et ce jeu en particulier, c'est... Il sert à... c'est un jeu avec tingle de base. Et donc ça permettait de rendre des points de vie, ce qui est utilisé pour les glitches, de balancer des bombes, de faire flotter Link, etc. etc. Ce qui était hyper utilisé dans le, qui est hyper utilisé dans le speedrun glitché de Zelda. Hop. Et dans le coffre, il y avait... d'obtenir la boîte à images. À l'écran inventaire, assigner la boîte à images à YXWare. 12 glitchés. 12 clichés, je crois que le truc est déjà en lumière en fait. Il y avait toute une quête de base pour prendre les clichés de... Hein? Il y avait toute une quête de base pour prendre des clichés en... En lumière, il fallait prendre une luciole dans un endroit précis, l'amener à un mec qui s'occupe des appareils photo, avec l'appareil photo, qui transformait l'appareil photo en appareil couleur. Avant de faire ça, fallait faire des tas de quêtes avec le mec pour que, juste une vraie galère. Voilà. Hey, je veux jouer avec vous. Cette ville est notre terrain de jeu. À nous les abattus. Tu es dans la classe du bonheur d'école de Messes. Bah oui. Mais je ne t'ai jamais vu ici. Tu es peut-être un nouvel élève. Hein? Tu as un peu de temps? Vois-tu, je suis institutrice. J'ai étudié cette école sur Mercantile il y a une vingtaine d'années. Et j'adore mon métier. J'ai un seul problème. Hein? Un petit groupe de 4 élèves qui ne veulent jamais rien écouter. J'ai beau les attendre toujours ici, ils ne viennent jamais en classe. Tu ne voudrais pas aller les raisonner un peu sur leur chef de bande Ivan? Dis-moi, tu vas bien? Je m'en charge! Oh, comme c'est gentil à toi. Tu me rends service. Je ne suis pas sûr que cela change quoi que ce soit. Ils sont de petits brigands. Mais entre enfants, les problèmes se règlent plus facilement. Bon courage! Entre enfants? Attends, Link il a quel âge? Yeah! Eh bien, tu veux nous gronder, nous les abeilles, c'est bien ça? C'est ça? Encore un coup de cette maîtresse, t'as pas l'œil, hein? C'est bien Mrs. Marais qui te l'a envoyé. Elle t'a dit qu'on séchait l'école? Elle t'a dit qu'on était encore en retard, c'est bien ça? Mais tu sais, nous quatre, nous sommes imbattables, nous sommes les abeilles tueuses. Tu veux que je te parle de nous? Si tu veux, on pourrait se mettre à l'épreuve. Alors, tu actes... Oh, ok. Les règles sont simples.
Venons nous cacher quelque part. Si tu nous trouves, nous nous enfuirons. Tu devras alors nous rattraper. Nous ne cacherons que dans la maison et nous ne quitterons pas l'île. Nous nous cacherons dans les recoins ou derrière les bâtiments. Si tu nous attrapes tous les quatre, nous reconnaîtrons notre défaite. C'est parti. Partez! Hop, hop, hop. Ok, du coup. Dans les armes, peut-être? Dans les armes. J'ai dit peut-être dans les armes. Ouais, non. Bon. Ok. Là? Ok, ça sent la cachette à plein nez, là. Le petit rebord qu'il faut prendre. Bon, faut bien être mince, faut avoir la filiature de Link pour la prendre, ce passage, ce... Mince, j'ai dit mince. Bon. Ah si, si. Ah si, si, si. Ouais, bon, il est un peu épais, mais... Il est costaud, quoi. Hop. Ouais, non. Oh, tout à l'heure. Ok. Donc, on en a un sur quatre. On en a deux sur quatre. Ouais, bon, tu vas... Mais non, mais pour l'attraper, faut... La règle du jeu, c'est... Ce qui est réglo, c'est de... c'est d'attendre. Yeah! Ça alors, tu m'as attrapé. Ok. Donc, on continue pour en avoir deux autres. Pas de cachet là, pas de cachet là, pas de cachet là, bon. A priori... Attendez, il n'y a rien ici, il n'y a rien ici, ici par hasard. Ah, trouvé! Ouais! Yes! Alors, plus qu'un... Eh, toi. Tu vas pas me faire chier longtemps. Trop fort. Trop fort, trop fort. Ok. Donc, où est-ce que j'en étais? Évidemment, il va pas me donner d'indice sur où est-ce qu'est le dernier. Alors. Ok. Bon. On commence bien. Ah merde, je l'ai loupé. Hop. What? Ouais non. Alors. Une cachette, faut que j'y pense. Une cachette quelque part. Si j'étais un gosse, où est-ce que j'irais me cacher? Là peut-être? Cet endroit il est cool. Ouais, cet endroit il est cool, il est pas du tout sur la carte même. Pas ce que tu fous. Le quatrième, où est-ce qu'il pourrait être? Alors là. N'y crois pas! Un arbre, toc toc toc. Qui est là? Qui est là? Mais tu cherches pas qui? Tu cherches où? Et tu sais qui? C'est le dernier. C'est où que tu veux? Ok.
Papa. Oui, non. Oui, non. Non, ce n'est pas ça. Pas ça. Oh, pardon. Je ne pensais qu'à ma danse, baby. Je m'appelle Johnny. Je donnerai mon appel pour la danse. Je suis le plus grand danseur de demain. Eh oui, one, two, three. En fait, j'ai vu dans mon enfance un danseur magique exécuter un pas qui transformait la nuit en jour et le jour en nuit. Je ne me rappelle bien le pas, mais je n'arrive plus à me souvenir du rythme. Le rythme, tu comprends, baby? Yes, Joe. Ah, je voulais regarder la pierre tombale, mais. Bah, du coup, je vais la faire, la pierre tombale. Je vais regarder la pierre tombale. Bon. Mais non, mais. Ah. On peut pas lui parler, la pierre tombale. Ok. C'était pas à toi que je voulais parler, c'est à toi. Tu vas te foutre de ma gueule longtemps ou tu vas te... La manière dont il a sauté, j'ai l'impression qu'il a failli se casser la gueule. Bon, tu as réussi à nous attraper tous les quatre. Nous sommes battus. Nous avons dû nous ramollir. C'est bon, nous avons tout arrêté de désobéir. Pour te récompenser de tes efforts, nous t'offrons un cadeau. Vous obtenez un quart de cœur. 4 quarts de cœur vous donne un réceptacle de chlore. Un réceptacle de plus augmente votre jauge d'énergie vitale. C'est un trésor auquel nous tenons beaucoup, mais tu l'as bien mérité. Tu es maître en cache-cache. Mon échange, ce serait gentil que tu ailles présenter tes excuses à Mrs. Marie. Rien à battre. Je vais regarder dans ce bâtiment. Hop. Bonjour. T'es là pour vaquer tes responsabilités, c'est ça, non? T'en as un peu marre d'être responsable. Allez, pour les enfants, c'est tirer rugby la partie, tu joues. Yes. Ah bon alors! Bienvenue, mon gars! Je suis le capitaine Dabalski. Attention! Les troupes qu'on a approchées, préparez-vous pour la bataille! Quoi? Je vois. Tu as que le multiple, un grand, moyen et petit approché. Il menace les enfants de l'île. Monsieur, vous devez router des radars pour trouver une créature cachée et arrêter d'elle. Attention, vous allez avoir seulement 24 bombes pour arrêter Calamar. Vous avez besoin de 4 bombes pour les grands, 3 bombes pour le moyen, 3 bombes pour moyen et 2 bombes pour parti. Les PSI corsaires avec L et tirer avec A. Surtout, visez bien. Je n'ai rien d'autre à vous expliquer. Compris? Compris. Bien, pour l'instant, un record des. Ah, va falloir que je bats le record. Ok. Bon. Je vais jouer intelligemment. Plutôt. Voilà. Ok. Yes! Bon bah record battu. Voilà. Quand je joue intelligemment, Lunar, un génie. Appelez-moi le génie. Attends, non!
Grâce à toi, l'île a retrouvé paix. Ses enfants disent merci à toi. Aïe, merci la mienne. Nous tenons à te faire cadeau pour te remercier de nous avoir protégé. Moi, c'est un cœur de cœur. Point le. Dis donc, t'es écouté le nouveau record, pas mal du tout. Yes! Merci beaucoup de ta visite. Avant de sortir, vérifie que tu n'as rien oublié. Ta mère? J'ai déjà eu tout ce qu'il me fallait. 20 rubis pour un quart de cœur et... une carte au trésor, ça va. Bon, je pense pas faire les cartes au trésor sauf s'ils sont sur mon chemin. Ok, bon, ça sert à rien, c'est de la merde. Ok, d'accord. Bon, bah du coup, je vais aller voir Miss Mae, l'institutrice. Un peu comme ma mère. Mais bon, c'est pas grave. Ah, je peux pas monter là. Je voulais monter sur le bureau et lui parler en mode... Yes, j'ai beau être un enfant, je suis plus grand que toi. Tu as un peu de temps? Oui. Alors, tu leur as parlé, hein? J'ai tout regardé par la porte entrouverte. Tu es vraiment un bon garçon. Tiens, voilà pour te remercier. En fait, ne le dis à personne, d'accord? Quoi? Attendez, il faut que je regarde un truc. Les rubis. Le maximum de rubis, c'était 200 avant. Ça doit être 300 là maintenant. Waouh. Ils ont augmenté ça. Cool. On dirait que tu allais te présenter tes excuses à la maîtresse de notre part. Tu es au courant? En fait, c'est bientôt l'anniversaire de Mrs. Marie. Chef, t'as pas une idée de cadeau par hasard? Dis pas n'importe quoi. On est des abeilleuses. On peut pas lui faire un cadeau. Elle adore les accessoires et les bougies. C'est quand en ce moment déjà? Ah oui, les pendentifs du bonheur. Mais ça se trouve pas comme ça. Si on en trouvait, on pourrait lui en offrir un, mais... Tiens, mais la dernière fois en grimpant aux arbres, j'ai vu quelque chose qui brillait en haut des arbres. Ça se trouve, c'était un pendentif. Qu'est-ce que tu en penses, chef? En gros... Ça veut dire, va chercher le pendentif que j'ai posé en haut de l'arbre. C'est pour le cadeau. Forcément, étant donné que... Hé hey, on dirait que tu l'as trouvé ce pendentif du bonheur. En fait, on l'avait caché en haut de l'arbre. On pensait que tu le retrouverais. C'est bientôt l'anniversaire de Mrs. Marie. C'est bien d'avoir son cadeau. Tu voudrais bien aller l'avoir de notre part? Tu voudrais bien lui donner pour nous aussi? On te le demande parce que tu es la seule personne qu'on aime bien. Et vous pouvez pas lui donner directement, non? Bon, hop. En tout cas, on voit bien qu'ils l'ont posé entre le moment, entre le la fin du cache-cache et le moment où bah forcément je suis allé reparler à Mrs. Marie. Donc ça devait être pendant ma partie de Explode bataille navale. Tu as un peu de temps? Ouais. Je suis assez doué pour deviner quel destin attend les enfants que je rencontre. Tu seras un adulte extraordinaire, ton nom restera gravé dans l'histoire. J'en suis persuadé. Ah oui, merde. Toujours la même. Attendez, voilà. Tu as un peu de temps? Pas le temps. Ouais.
Oh là là, mais c'est un pendentif du bonheur. Je dois t'avouer que je raffole des bijoux. En ce moment, je suis dingue de cela. Alors merci beaucoup. J'en accepte un avec joie. J'adorerais en avoir une vingtaine, mais je ne sais que je les aurai jamais. Mais tu sais, ça fait longtemps que je suis maîtresse. Je crois que je sais où t'es venue l'idée. Et ça me fait vraiment plaisir. C'est le plus beau cadeau d'anniversaire qu'on m'a jamais fait. Tiens d'ailleurs, je vais à mon tour te faire un cadeau dans les mains. Si tu veux les enfants, un bracelet pour moi. Me voilà avec 226 rubis dès le début là. On est blindés tout. Bon après, je sais qu'il y a un endroit pour farmer de l'argent. Mais on verra ça plus tard. Hein. Au moment où, au cas où, si j'en aurais besoin. Tiens, bonjour. Tu as une bien belle boîte à images. Je suis sûr que tu es un amateur de clichés. Et les personnes qui aiment les boîtes à images ne sont jamais de mauvais gens. Je t'en prie, prends tout ton temps. Ah, et va donc voir ma galerie des photos à l'étage. Je suis sûr que tu, là, tu vois que tu es intéressant. Ok, ok. J'ai pas le souvenir que ça se déroulait comme ça, les événements. Pour la boîte à images. Pour la quête de la boîte à images. Oh oh oh. Alors, elles te plaisent mes photos? Mais ne fais pas cette tête-là. Mon passe-temps préféré consiste à me tenir derrière les gens sans qu'ils s'en aperçoivent. Tous les clichés qui sont accrochés ici sont les clichés que j'ai pris dans ma jeunesse et dont je suis très fier. En vrai dire, j'ai vraiment parcouru les mers dans ma jeunesse. Ma boîte à images à la main. Mais jette donc un coup d'œil. Hein. Bon. Donc ça c'est des blobs. Ça c'est une île au loin. Ça c'est... là où il y a des lutins qui vivent, je crois. Ça, c'est aucune idée. Aucune motherfucking idée. Ça. C'est le bateau pirate. Avec là où il y avait Tetra. Voilà. Mais il a réussi à prendre un cliché hyper cool, je trouve. Là, ça. Bah, c'est une statue, hein. Et ça, bah, c'est... Si je me souviens bien, c'est... C'est là où habite Ariel. Maintenant. Bon. Du coup, je vais sortir, re-rentrer. Essayer de voir si je peux faire la quête et si je peux pas la faire, bah tant pis. En plus, elle est assez longue. Je fais de ma jeunesse des recherches sous l'image. Je pense réussir bientôt à élaborer la boîte dont je rêve depuis mes tendres années. Une boîte qui serait particulièrement plus puissante. Mais je suis vieux et je n'ai tellement envie de quitter cette île maintenant. Voudrais-tu devenir mon assistant et parcourir le monde à ma place? Oui. Oh, ouais. J'ai vraiment bien fait de te demander. Si tu veux vraiment être mon assistant, si tu vas devoir te conformer à toutes mes instructions, tu devras faire tout ce que je te demanderai de faire. Tu es toujours d'accord? Alors, c'est entendu? Comment t'appelles-tu? Sling, c'est ça? Bien, je vais te demander trois choses. Tu deviendras mon assistant quand tu auras fait les trois choses indiquées. Écoute bien la première, Link. Première instruction, donc. Tu sais ce que c'est qu'une lettre d'amour, n'est-ce pas? C'est une lettre dans laquelle quelqu'un te déclare ses sentiments amoureux, nous sommes bien d'accord. Bien, il y a quelqu'un d'obstiné dans cette ville qui ne cesse d'envoyer des lettres d'amour. Pourtant, cette personne devra comprendre que ses sentiments ne sont pas réciproques. J'aimerais enfin réussir à lui faire entendre raison. Ce que je te demande est simple, il suffit de surprendre la personne. C'est facile, non? Expédie vite cette affaire pour pouvoir devenir mon assistant. Bon, les trois mystères, je vais les faire d'un coup. Sinon, ça va me faire trop d'aller-retour.
Ce qui va pas me plaire. Ok. Surtout que c'est une question de timing. Là, va falloir attendre une plombe. Va falloir attendre une plombe pour ce monsieur. Ok, ok. Bon. Les cochons, c'est fait. Ouais. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire en attendant que le monsieur arrive jusque là? Un truc con qui pourrait servir. Aucune idée. Me noyer peut-être. Je crois que ça fait arriver directement le monsieur à... ou tout simplement blablater. Si ça peut faire passer. Ok, bon. Comment on prend le fichier? Avec l'appareil photo, je crois. Avec avec l'appareil photo, je crois qu'on peut prendre des photos. Je crois. C'est possible. C'est possible que je me plante, que ce soit avec la lentille. Non, le pas la lentille, comment on appelle ça? Je sais plus. Oscilloscope? Je sais plus. Bon, c'est pas grave. En tout cas, on va faire cette quête, une des dernières quêtes du jeu. De l'épisode. Il prend tout son temps. Pourquoi il prend autant de temps? Ne me dis pas qu'ils vont arriver en même temps. Ce serait une satanée blague. Bon. En tout cas, je vais prendre plusieurs photos au cas où. Il faudrait que je sois bien placé en fait. Allez, viens par là, monsieur. Monsieur! J'espère qu'ils prennent pas en compte les tremblements. Ok, ok. Nickel. Bon, du coup j'ai deux photos. J'espère que ces deux photos iront. Ok, bon. Là, on va s'occuper du... Non, 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 non. On me dit pas que t'as... Oh, ta mère! J'ai loupé. J'ai loupé un... Va falloir attendre qu'il... Je trouve que pour cette quête, sur, ils auraient dû faire un truc légèrement mieux, c'est de faire un chemin plus court, quoi. Soit en faisant avancer les personnages légèrement plus rapidement, soit en arrêtant de leur faire faire des tours de con. Non, et puis... Il pue aussi. Ok. Ah, et le gyroscope que gère mal. Le gyroscope. Là, ça me paraît une
d'être une bonne photo. Clairement. Ça me paraît clairement être une bonne photo. Ok. Techniquement, faudrait. Faudrait qu'on attende, mais. Bah du coup on va devoir attendre, on va devoir parler un peu de ce qu'on va faire. Bah je peux pas trop spoil en fait. Je peux pas trop. En tout cas. Ah, ce que je peux faire c'est m'amuser. Yes! Les cochons, venez par ici, la vengeance du cochon noir qui m'a fait chier au début. Au début, il y avait un cochon qui était chiant, ultra chiant. Au début, il y avait un cochon, ultra chiant, très très chiant. Je les balance au-delà, au-delà du... terrain, je prends un autre cochon, les trois cochons au même endroit. Ah. Bah, il est tombé tout seul. Il est con. Oh, j'ai pas eu le plaisir de le jeter, ce cochon. Toi, fais pas la même. Allez, cochon! Cochouné, cochouné, cochouné. Ah merde, faut que je... J'ai une idée. Bon, je crois qu'il va falloir que je me dépêche, sinon je vais le louper. Sinon je vais le louper. Sinon je vais le louper, je vais le louper. Ok. Pourquoi les gamins ils ont une aura? Il est... J'ai l'impression que le... Non, non, c'est pas moi qui déconne. Ils ont une aura lumineuse autour d'eux. Ça s'appelle un contour et... Ok. Normalement, je devrais avoir le... Bon, je vais prier pour avoir les bonnes photos. Je suis pas sûr que j'ai pris le bon angle. Bah, on va voir ça tout de suite. On va voir ça tout de suite. Oh oh oh, superbe cliché. On dirait que l'amour est aveugle. Mais pourquoi crois-tu bon d'envoyer toutes tes lettres? Ah, tant de passion. Me rappelle la jeunesse et les belles journées d'été. Bien, tu as parfaitement réussi ta première mission. Je garde ce cliché. Je vais en faire un bon usage. Voici donc la deuxième chose que tu vas devoir faire. Tu vas devoir chercher la personne la plus froussarde de la ville à qui j'aimerais rendre un peu confiance en elle. Prends-la en photo quand tu sursautes pour un rien et apporte-moi ton cliché. C'est un peu plus difficile cette fois-ci, vas-tu y arriver? Oh oh oh, bien vu, c'est bien lui le frouillard de la ville. Rien à dire, mission réussie. Non mais regarde le... Deuxième mission réussie donc. Je garde ce cliché, je vais en faire bon usage. Et maintenant, ta troisième et dernière mission, écoute attentivement. Il y a un couple d'amoureux dans cette ville qui n'osent jamais se parler. Tout ce qu'ils osent faire, c'est se jeter un coup d'œil furtif lorsqu'ils se croisent. C'est tout de même dommage.
J'ai donc décidé de devenir leur cupidon. Prends un cliché qui montre bien leurs sentiments à tous les deux. Si tu me rapportes ce cliché, Link, tu deviendras mon assistant préféré. Ha ha ha, tu es content. Et bon courage. Et... non, pas lui. Oh oh oh, bravo, superbe cliché. On voit bien qu'ils ne sont pas indifférents l'un de l'autre. Ça fait longtemps que j'habite ici, mais je n'ai pas aperçu... mais je m'en suis pas aperçu tout de suite. Bravo, Link. Tu gardes ce cliché, je vais en faire bon usage. Bien, tu as rempli brillamment toutes les missions que je t'avais confiées. Tu as fait de toi mon assistant, Link. Maintenant que nous travaillons ensemble, il n'est plus question que je te laisse prendre des clichés en noir et blanc. Utilise plutôt cette boîte à images. Votre boîte à images se transforme en boîte à images DX, le modèle Deluxe. Autofocus vous l'a offert pour fêter votre arrivée en tant qu'assistant. Cette boîte à images vous permet de prendre des clichés en couleur. Assignez la boîte à images DX à YXR dans l'inventaire et essayez d'en prendre un cliché. Les clichés étaient juste là en noir et blanc, mais dorénavant ils sont en couleur. Alors prends des clichés à ma place. Prends-en ça à un arrêt, prends-en plein un Link, et surtout qu'il soit coloré. Non. Ah là là. Bon bah... donc la quête des photos c'est fait. Il reste plus qu'à acheter la voile et de... se laisser. Oh, vous avez aidé l'homme dont je vous en ai parlé. C'est fantastique. Vous savez, je rêve d'ouvrir une boutique sur cette île, mais je n'ai pas assez d'argent. Acceptez-vous de m'acheter la seule chose dont j'ai à vendre? Les habitants de Mercantile ou toute la mer. Ils ne voyagent pas, il faut que faire des choses que j'ai à vendre. Je vous en prie, elle ne vaut que 200 rubis. Enfin, j'aimerais vous la vendre à ce prix-là, mais comme vous avez sauvé mon ami, je vous la laisse pour 80 rubis. Qu'en pensez-vous? Affaire conclue. Merci, merci, merci beaucoup. Je vous prends donc 80 rubis. Et grâce à cet argent, je vais enfin pouvoir monter ma boutique. Bien, cher client. Chose promis, chose du voici. Ah, vous avez fait une excellente affaire, cher client. Cette voile de bateau est la plus résistante au monde. C'est elle qui m'a sauvé la vie. Prenez-en grand soin. Ok, ok. Oh bah, du coup, on va se laisser devant le lion rouge. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à regarder cette vidéo. Encore merci et bye pour le prochain épisode. Nous allons mettre voile.